là où ça bouge. Je ne sais pas trop où on est, probablement en Normandie vu le temps, et peut-être dans la steppe caennaise. Mélanie, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on est dans la yourte du Tympan, qui est située rive droite, à côté du luxe et de la baraque, le tiers lieu rive droite. Et il se passe des concerts de jazz. Ici? Oui, tout à fait. C'est pas bien grand? Non, c'est pas grand. Il y a 49 places assises, musiciens, publics et organisateurs compris. Le Tympan, c'est l'héritier du collectif jazz de Basse-Normandie et du collectif Pan. 25 ans de jazz dans la région. La nouvelle association a souhaité disposer de sa propre salle de concert, un véritable petit cocon pour les amoureux du jazz. C'est la première fois qu'on joue ici, c'est la première fois qu'on joue dans une yourte, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. C'est souvent la première impression qui compte. Et la première impression? C'est celle-là, ça me sent bien en fait, il y a un truc... À la maison? Enfin à la maison, je ne sais pas si j'habiterais dans une yourte, ça j'en sais rien, mais en tout cas on se sent bien en fait, il y a un truc qui est bien, inhabituel mais bien. Les premières notes ont résonné dans la yourte à l'automne dernier. Elle peut accueillir des résidences, des ateliers, des répétitions et pourrait à terme tourner un peu partout dans l'agglomération. En attendant, elle ouvre ses portes au public tous les jeudis pour des concerts acoustiques. Mélanie, la saison est loin d'être terminée. Oui, tout à fait. Plein de temps fort. Exactement. Qui nous attend les deux prochains. Alors, les deux prochains, on a les Fées Cosmiques le 23 mars. Une carte blanche. Tout à fait. Donc, c'est un très jeune groupe normand qui, avec que des jeunes et des jeunes jazzmen. Il y a aussi une soirée open mic. Ouais. Le principe. Le principe, il y a donc une rythmique funk assurée et après c'est vraiment ouvert à qui veut prendre le micro. Donc ça peut être les machines, ça peut être le chant, ça peut être un saxophone, une guitare pop, une guitare funk, peu importe. En fait c'est de mixer les esthétiques avec le jazz, toutes les esthétiques, reggae, slam, voilà. On mixe tout avec le jazz. Voilà. Une grande fête de la musique. Ouais, du jazz. Du jazz, et nous du jazz on va passer à la pop. On retrouve Jacques Perrotte au Franciscaine à Deauville.